Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu de Marolles, je chasse Mutomobile dans la baie du Mont-Saint-Michel depuis plus de 15 ans. Voilà, donc ça fait 15 ans que j'utilise un Uto construit à l'époque avec un ami qui nous a rendu bien des services et avec lequel on a eu de superbes souvenirs. Mais voilà, j'ai eu un peu de temps cette année, donc j'ai construit un nouveau Uto. Et tout au long de la construction du Uto, j'ai pris des photos pour pouvoir vous en faire profiter. Il n'y a pas grand chose sur internet, et voilà. Donc, cette année, vous pourrez trouver quelque chose si ça vous intéresse de construire un Uto. Donc ce Uto, il est fait de contreplaqué extérieur 5 mm. Il mesure 2 mètres de long, 1 mètre 30 de large et 97 cm de haut. Tous les panneaux sont assemblés entre eux par des tasseaux carrés de 2 cm, collés à chaque fois et vissés avec des vis inox. Quand vous construisez votre Uto, il faut penser au poids, c'est la chose la plus importante. Donc à la fois la résistance et le poids, il faut penser à ça. Il faut penser aussi au confort. Le confort, c'est d'abord l'étanchéité Uto, et par en dessous et par au-dessus. Le confort, c'est aussi l'accès, l'entrée-sortie dans le Uto, que ce soit simple, facile, qu'on puisse rentrer-sortir rapidement. Et puis il faut à l'intérieur aussi que vous ayez un peu d'espace pour bouger et surtout pour pouvoir tirer confortablement. Voilà un peu les principes de construction du Uto. Donc je vous laisse regarder la vidéo. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont mal expliquées, ou si vous voulez les plans détaillés avec toutes les cotes de mon Uto, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit mail. J'essaierai de vous répondre rapidement ou de reprendre contact avec vous. Allez, à bientôt, au revoir.